coup, bon bah le Portugal démarre super mal en fait. On s'est garé là-dedans dans un parking d'une centaine de places et on a pris la seule place qui fallait pas. Je vais vous montrer ça. Il pleut énormément. Et voilà. On est complètement bloqué des deux côtés et c'est la tempête. C'est le déluge, putain. C'est horrible. Ça aurait, il ferait beau encore. Mais là, c'est la grosse merde, galère. Donc, on attend le monsieur là qui gère le jardin. Oh, attendez, on rentre en courant. Le monsieur qui rentre. Ah. Voilà, donc là, on attend que le monsieur qui gère le parking revienne avec un râteau pour qu'on essaye de gratter un petit peu et qu'on essaye de sortir de cette fichue place. 45 places. Ouais. La seule qu'il fallait pas prendre, c'est pour notre gueule. Voilà. C'est pas de bol. On est sorti de notre trou et sur les conseils du propriétaire, en fait, on est venu se garer un petit peu plus loin. Et... rebelote ! Donc, on va laisser comme ça pour ce soir et puis on verra demain. Bon, voilà, le Portugal nous a souhaité la bienvenue à sa façon. On adore le Portugal, mais bon, si ça pouvait continuer un peu mieux que ça, ce serait bien. Là, concrètement, on est embourbé, donc j'ai dit au propriétaire de l'endroit où on loue que c'est bien comme ça pour ce soir parce qu'il pleut des cordes, on est trempé, on a mis de la boue partout dans le camping-car, de l'eau partout, les sièges sont mouillés, on peut même pas s'asseoir dessus pour voir regarder la télé ce soir, donc... un peu la merde, donc on verra tout demain quand tu feras un peu moins de pluie et puis voilà. Donc on avait dit qu'on expliquerait nos galères en camping-car hein, au tout début de la toute première vidéo. Celle-là, elle est bonne, hein. En fait, on n'a jamais eu de galère, tout c'est toujours tellement bien passé. Mais là, ce soir, franchement, non, mais c'est fort. Hein. On met une heure presque à sortir de notre trou. On se regarde, bim, dans un trou. Non, ouais, et on se regarde sur un truc à plat. Hein. Je pense qu'il Bonjour, bonjour. Bon, alors je vous disais hier que c'était moins pire qu'hier, notre embourbage, mais finalement c'est pire, je vous montre ça en image. Tadam ! Voilà, voilà. Donc là, la roue est complètement enfoncée et on a l'arrière qui touche. C'est le gros bordel. Là concrètement il y a tout le train arrière qui est enfoncé, c'est pas seulement là on voit la roue enfoncée mais tout l'arrière est dans la terre. Donc il est pas sorti le bordel. Ah tout le dessous? Allez c'est parti, nouvelle tentative. Alléluia!